Je crois que c'est l'un des matchs les plus importants de cette saison. Si on perd, les gars, la montée, c'est terminé, je vous le dis tout de suite. Dylan, c'est complètement con de faire ça, mais c'est complètement con de faire ça. Il siffle pas le premier, il y a pénalty tous les jours. Forcément que si tu fais ça, il va siffler. Mais on s'en branle, c'est ton geste. On attendait une réaction de notre équipe parce que les derniers matchs n'ont pas été très bons. Malgré les résultats où bah, on perd encore, mais je dois avouer que j'étais plutôt content parce qu'il y a eu une réaction. Ils pensent qu'ils peuvent gagner des matchs sans s'entraîner, donc forcément, ça c'est compliqué. Mais c'est clair que je mettrai les mecs les plus motivés sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Vilaine, du coup, c'est un match qu'on aborde sans pression. Parce que, comme je l'ai dit juste avant, pour nous, la montée était foutue. Par contre, c'est un match qu'on voulait absolument gagner. Enfin, moi particulièrement. Parce que match aller, on fait 1-1 là-bas et on a notre numéro 10, Mastias, qui fait un match pas très bon alors que début de saison, il était quasi parfait. Djibril qui se blesse sur coup franc. On avait des joueurs qui n'étaient pas là. Donc, j'avais vraiment envie de montrer à cette équipe quelle était vraiment notre équipe et ce qu'on pouvait faire contre eux. Messieurs, aujourd'hui, match contre Vilaine. On sait que c'est organisé, c'est jeune, c'est rapide, c'est vif. Il va falloir qu'aujourd'hui, on soit organisé aussi. Il faut que vous partiez sur ce match avec la même envie que vous aviez eue la semaine dernière. Je pense que si vous avez la même envie, la même combativité et le même esprit de groupe, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut faire qu'on perde ce match. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit dimanche dernier. Celui qui ne fait pas le taf, celui qui est fatigué, ça arrive. Celui qui n'est pas dans un bon jour, ça arrive. Il sort. Et il rentrera plus tard, il aura une deuxième chance. Mais par contre, j'ai pas le temps de vous laisser trois quarts d'heure sur le terrain et que vous fassiez rien sur le terrain. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Ouais. Dylan, tu sais, j'ai même pas besoin de te parler, tu sais ce que je veux. Et tu sais surtout ce que je veux pas. Faut que tu restes concentré, mec. Sinon, je serai obligé de te sortir. Ok? Mais il y a un peu de fierté, s'il vous plaît. Montrez-leur qu'on n'est pas terminé. On va revenir les chercher, ces mecs-là. Ok, messieurs? Il y a eu des changements. J'ai changé le capitana. J'ai changé le numéro 10. On a fait avec Romain ce qu'on ne faisait pas au début, c'est-à-dire être vraiment sans pitié au niveau des présences. Si tu viens pas à l'entraînement de la semaine, tu joues pas. On a donné le capitana à Zeka parce qu'il arrive à fédérer autour de lui et qu'il a connu un certain niveau dans le foot. Et en refaisant venir des anciens comme Camille, qui pour le coup n'a pas le brassard, mais c'est comme s'il l'avait, quoi. C'est le gars qui arrive à rebooster son équipe de jeunes, puisque c'est l'un des plus vieux de l'équipe. Donc ça fait du bien. Oh. Yass, tu vois, c'est là qu'il faut que tu écartes pour faire décaler la défense. Parce qu'on va tout de suite au milieu alors qu'ils sont déjà tous là. Fais écarter. Et après, tu le suis et toi, après, tu fais le jeu. Ok, mon grand? Allez, c'est bon, 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 c'est
Je vais commencer par vous féliciter parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu une première mi-temps pareille. Donc tous autant que vous êtes, bravo. Bravo. Attends, c'est ce que j'allais dire. Mais vous avez le droit de vous féliciter. Vous avez le droit d'être content de cette première mi-temps. On dit quand c'est pas bien, ça fait des semaines qu'on vous rentre dedans parce que c'est pas bien, parce que l'état d'esprit, tout ça. Vous avez aussi le droit de vous regarder droit dans les yeux et dire ok, aujourd'hui on est des bonhommes, on fait une première mi-temps de bonhommes. La seule chose qui nous manque, c'est un peu de justesse, un tout petit peu de justesse sur certaines actions. Les gars, je suis fier. Là, je suis fier de vous sur cette première mi-temps, je suis fier de vous. Maintenant, comme dit Nathan, attention. Si vous voulez gagner ce match, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas régresser, il ne faut pas se dire ok, on les bat 2-0, c'est bon, c'est gagné. Non, pas du tout. Ils vont revenir, remotivés, plus agressifs. À vous de l'être encore plus. Nathan, attention, pas être trop bas. À un moment donné, il a la balle, il t'a vu, hein. Je l'ai vu te voir, mais il ne peut pas te la donner parce que tu es à la place d'Elvis. Alors tu dois être bien devant. Et là, avec la main en profondeur, tu es devant le but. Il restait deux ou trois défenseurs. Attention à ça, c'est des occasions qu'on perd. Quand vous n'êtes pas à votre poste, pensez à vous replacer. Et si jamais lui, il n'y pense pas, ou lui, il n'y pense pas, ou lui, il n'y pense pas, vous êtes autour. Attention là, tu es trop bas. Attention, dit, tu es trop haut. Justesse technique, placement et agressivité encore plus. Ok, messieurs ? Attention, lâche.
comme tout à l'heure. Hé, le contre est fort. Le contre est fort. Les gars, oh. Sortez, Dylan, derrière, la tête. C'est pas grave, Dylan, allez mon grand, allez. Oui, oui. Allez, Greg, ouais. Ah. Allez, faut refaire. Ok. Je tiens à vous féliciter parce que vous faites un gros match. Parce que c'est un match exemplaire au niveau de l'attitude, surtout de l'attitude, mais du football. Vous avez fait des actions qui m'ont vraiment fait beaucoup plaisir. J'ai pris un plaisir à regarder ce match. N'oubliez pas, on a un objectif important, la Coupe de France. Ok ? La Coupe de France, c'est très important. Que ce soit pour vous, pour nous, pour le club, même la semaine prochaine, Rony, ça va être un match très dur aussi parce que ça va être sur herbe, ça va être chez eux. Ça va être compliqué. Ok ? Mais si vous gardez exactement le même état d'esprit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison, messieurs. Donc je veux qu'on fête cette victoire parce que vous la méritez et parce qu'elle est vraiment belle. Bravo à tous. Bravo. Grosse réaction de l'équipe et j'avoue avoir été très très étonné. Agréablement surpris de la réaction de mes joueurs et du résultat. Cette victoire, en fait, justement, à la fin du match, on s'aperçoit que finalement, la montée, elle est pas perdue. Et que du coup, le championnat est plutôt relancé. Mais on perd aussi Dylan sur ce match-là. C'était un joueur très important du milieu de terrain. Et de l'avoir perdu sur ce match-là, j'avoue que très handicapant pour le reste du championnat. On sait tous ce qu'on a à faire. Steven, t'es déjà prêt à mettre la prochaine balle, là. T'enchaînes, bien tiré. Moi, il a rêvé, j'ai dit, c'est ça, en fait. Voilà. Vous touchez à partir du moment où le joueur a attrapé la coupelle. Voilà. Bientôt, vous faites pas comme Djibril, vous attendez pas trois quarts d'heure avant de prendre la coupelle. Allez, c'est reparti, gauche. Droite. Plus vite, plus vite, plus vite. Gauche. Droite. Tête. Pied. Gauche. Rouge. Allez, allez, on se remet en place. Allez, allez, allez. Droite. Position squat, toujours. Gauche. Tête. Pied. Squat. Abdos. C'est la même chose. Vert. Quoi ? Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de vert, il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de vert. Jaune. T'es trop nul. Alors, sympa l'exercice? Ouais, pas mal, hein. Pas mal. Ouais, ça rappelle les. Il y a le coach derrière, on peut obligé de dire ça. De primaire. Ok, après on va se séparer en deux groupes. 10 avec moi ici, 10 avec Romain là-bas. Ici, ça va être de la vitesse et de l'agressivité. Un peu pareil que mardi, et là-bas ça va être avec les buts et du ballon avec Romain. Et après on échange, et après on finit par un jeu, ok? Ok, simplement, regardez, les ballons partent d'ici, il y a les gardiens qui sont là, ils sont pas encore chauds, donc les ballons sont sur eux, ok? Ils sont clairement sur eux. Ballon en mouvement, Elvis, tu prends ton ballon,
Tu mets ton contrôle, un contrôle, et tu joues sur ton gardien, simplement. En fait, le truc, c'est tu passes, tu tires, tu passes, tu tires. Vous fuyez juste, personne passe à l'intérieur. Les ballons, de vous-même, allez les chercher, mettez des petits ballons à côté pour qu'on s'arrête pas toutes les 5 minutes. Prise de balle, correct, vous avez pas le droit de tirer dans la surface. Frappe pied gauche, frappe pied droit. C'est bon ou pas? Ok, échauffement pour les gardiens, pas de tir pour le moment. C'est parti, Arthur, quand tu veux. Et tout de suite, ça vient. Suite à la passe. Voilà, bien joué. Prise de balle, j'aime pas prise de balle, elle n'est pas dans de bonnes dispositions. Sur la prise de balle. Bien joué, 1-0. Allez, c'est en scène. Concentration, application. On travaille un peu le physique, on travaille un peu l'agressivité, la vitesse, mais tout en forme de jeu parce que c'est l'esprit de groupe qu'on recherche. On veut là, pendant 3-4 mois, on a un peu perdu cette ambiance, cet esprit de groupe, cet état d'esprit. Et justement, ça fait 3 semaines avec Romain qu'on veut remettre ça en place. Et justement, avec les jeux qu'on fait à l'entraînement, on fait beaucoup de jeux, beaucoup de compétitions entre eux, mais avec un bon état d'esprit. Et du coup, je pense que ça ressoude un peu l'équipe avant la fin de saison et avant l'année prochaine. Après, là, on joue justement Rony ce week-end. Donc encore une fois, c'est un match à pas perdre. Ça se joue sur l'herbe. C'est leur terrain, il a plu beaucoup, il va encore pleuvoir beaucoup jusqu'à dimanche. Je pense que si on arrive à faire le même match contre Vilaine avec le même état d'esprit, il y a possibilité de gagner. Par contre, si on n'est pas dedans, je pense que ça va être très très compliqué. Rony qui a trois matchs de retard, qui jouait contre Vauxoise le mercredi avant notre match. Et là, on voit le résultat. 2-0 pour Vauxoise. Non seulement le championnat était relancé avant ce match-là, mais là encore plus. Donc encore plus d'espoir pour nous. La seule chose qui me fait peur, c'est que ça remette un peu de pression pour les joueurs, parce que je sais qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à jouer avec. Et bien, on reste solidaires surtout. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas fonctionner, c'est normal. Petite chose importante aujourd'hui, ne vous mêlez pas de l'arbitrage. Il est observé. Donc il va pas passer par quatre chemins, si vous lui cassez les couilles, ça va être jaune, rouge, direct. Ok ? Et la plupart du temps, si le jeu est là, maintenant tu vas te faire. Allez. Dès que tout le monde est prêt, on sort ensemble. Allez, ce match, vous gagnez si vous avez envie. Hein. C'est que si vous avez envie qu'on va gagner ce match. À vous de savoir si vous avez envie de monter. Jusqu'à la fin, les matchs qu'on va jouer, ça va être les plus importants de l'année. Ah ouais, on a déconné pendant 3 mois, maintenant faut assumer, faut rattraper cette erreur. Match, les gars, on sait très bien le passif qu'on a avec eux. On sait très bien ce qu'on a déjà loupé. On doit leur rentrer dedans, les tuer comme on a tué Vilaine. Exact. Même match. Tout le monde joue avec ses couilles ici. Ah, les gars, aujourd'hui, mettez des coups. Soyez des bonhommes. Parce que eux, ils vont mettre des coups. Vous connaissez si le vous vice, laissez faire, si vous faites les victimes. Maintenant, soyez plus vicieux qu'eux et tuez-vous. Ok, yes. Allez les gars. La bagarre, hein. Aujourd'hui, c'est la bagarre. Si on met pas les coups. 2, 3. Come on, Vizca FC. Plus fort, les gars, wesh. Plus fort, les gars, plus fort. Nathan, plus fort, Nathan. 1, 2, 3. Come on, Vizca FC. Taïr, grand, grand. Yacine, il est là-bas, il va vers l'avant. Pourquoi tu viens vers lui? Il prend la profondeur.
Sur un dégagement. Je suis demandé en fait. Oh, il a mis assez. C'est n'importe quoi ça, hein. Encore une fois. Allez. Et le Elias. Allez. Il, là il veut. Les gars. Vous avez fait une première mi-temps incroyable, ok ? On s'est protégé. 3-0. Bravo à vous, vous avez... Hey, les gars, bravo ! Par contre, rien n'est fini, encore moins maintenant. Ça va être encore plus dur. Donc, ce qu'on va faire, on va retirer le 9. Par contre, Nathan, Steven, ton père, tu vas sortir pour le moment. Mon grand, je sais que c'est dur parce que tu fais un gros match. Mais là, j'ai pas le choix, je suis obligé de retirer un 9, ok? Il faut qu'on garde le milieu de terrain. Leur numéro 10, c'est les deux centraux derrière. C'est par là qu'ils relancent tous les ballons. Soit devant, soit ils vont toucher l'attaquant ou le milieu, et après c'est comme ça qu'ils jouent. Mais ils jouent que sur les côtés et ça relance que de derrière. Si on presse ces mecs-là, si on continue de presser ces mecs-là avec la même agressivité qu'on avait là, on va tenir ce match. Mais dans l'éventualité où on se donne pas tous à 100%, on peut perdre ce match. Dites-vous ça. Là, la deuxième mi-temps, ça va être une des plus dures que vous avez jamais jouées. Parce que vous êtes à 10. C'est des mecs, physiquement, qui vont donner. Mais à un moment donné, ils vont faiblir aussi. Si vous continuez à être agressif comme ça, comme vous avez fait en première mi-temps, vous les avez éteints. Surtout, ne reculez pas. Après, à la mi-temps, justement, je leur dis que là, on perd un joueur important et que c'est là qu'ils doivent montrer, justement, leur état d'esprit.
Et c'est là où ils doivent être encore plus exigeants que d'habitude. Parce que là, si vraiment si on reste solide et que chacun fait les efforts comme il peut et qu'on joue la contre-attaque, on peut encore les emmerder et garder ce score jusqu'à la fin. Cette victoire, elle tient qu'à nous, messieurs. Ok ? Je vais prendre le command Vitsky FC parce que pour partir sur une petite blague, on l'a vu tout à l'heure, c'était pas ouf. Hein. Allez, allez, la main au milieu, les gars. Allez, on est ensemble. On est ensemble. Solidaire, les gars. Solidaire, les gars. Ensemble. Allez, à 3, 1, 2, 3, command Vitsky FC ! Allez, les gars. Allez, prends-nous, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Allez. Steven. Incroyable.
3-0 les mecs. Et c'est là où ce match me fait énormément plaisir, c'est que je pense que ce match, il y a un moment, on le perd. Et là, eh ben, en 3 matchs, cette équipe a réussi à se remobiliser. Et du coup, on gagne ce match sans prendre de but, même à 10 contre 11, avec une mi-temps complète à 10 contre 11. Franchement, je trouve ça incroyable. Surtout que c'est une équipe qui nous a roulé dessus à l'aller. Et je pense que pour la fin de saison, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Sortez le protège du bien ! 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 Sortez le protège du bien !